Le prophète était persécuté. De même que ses fidèles. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Est-ce que les soviétiques auraient trouvé quelque chose ? Il y a de l'eau en dessous. Et pas qu'un peu. Une pièce d'or frappée à l'image d'une ville. Et voilà le prophète. Ça devait être la monnaie officielle de Kitej. Le visage du prophète, frappé dans l'or. Les orfèvres de la cité commençaient à développer leur propre style. Mais on reconnaît l'influence byzantine. Ça doit faire partie du système. C'est parti. De pétrole. L'eau est en train de tout éroder. À ce rythme, il ne restera plus rien d'ici quelques dizaines d'années. C'est une citerne. Le niveau de l'eau est indiqué sur le mur. Il n'est pas régulier.
Ok. Je devrais pouvoir traverser à la nage maintenant. Il devrait y avoir largement assez de pétrole ici pour éclairer les passages souterrains. Mais sois prudent en le transportant. La technique de raffinage n'est pas encore au point et il est très volatile. Tu vas faire la connaissance de l'homme qui supervise la construction, comme nous tous. Sans ses connaissances sur la Terre, aucun de nous n'aurait survécu à cet éprouvant voyage. Hâte-toi, et s'il demande des nouvelles de sa femme et de ses enfants, fin l'ignorance. Il n'arrive pas à accepter qu'ils ont péri lors de l'Exode et s'attend à les voir arriver bientôt. Nous avons besoin de son génie, et je crains que s'il découvre la vérité, il ne perde la raison. Manuscrit ancien, des dons de la terre.